dell'antica potenza di una stirpe di re pastori, sono in Sardegna muti testimoni i nuraghi. Un eco di quella età leggendaria permane nel canto e nella danza popolare. Forse nella rude vigoria corale dei pastori di Fonni, accorato richiamo fuori del tempo, in una forma di canto tetragono ad ogni seduzione. Cantate nacque la danza anche in Sardegna. Limitiamoci a seguire questa danza degli abitanti di Fonni senza indulgere a teorie romantiche sulla sua antica derivazione. Tra l'una e l'altra movenza affiorano lineamenti di un rituale arcaico. En Sardaigne, les bergers et leurs troupeaux restent sur les montagnes seulement entre le mois de juin et de novembre, car ils passent le reste de l'année dans les pâturages de la plaine. Pendant ces mois, l'activité agricole se ralentit et s'arrête presque complètement, comme pour reprendre des forces en automne, car c'est justement pendant cette saison que l'on établit le bilan de l'année et que l'on prépare les programmes futurs. C'est aussi en automne que dans les villages de montagne, où l'économie est basée presque exclusivement sur l'élevage des troupeaux, que l'on célèbre les mariages. La cérémonie commence avec le pardon. Le pardon que les nouveaux époux, avant de se rendre à l'église, implorent à genoux devant les parents de la mariée. On pourrait supposer qu'il s'agit d'un rite moral et chrétien qui puisse effacer les péchés de jeunesse, et c'est ce qu'imagine celui qui l'accomplit. En réalité, sur le plan de la vérité ethnographique, la seule grande faute pour laquelle les époux implorent le pardon, c'est la rupture de l'unité familiale, l'abandon du noyau dans lequel on a vécu jusqu'ici et dont on a suivi la loi rigoureuse. Dans ce monde, la famille est le centre de tout, un petit système réglé par des normes de comportement très précises. Il en est ainsi de la brève réception qui précède la sortie des époux, le trattamento comme on l'appelle, qui se déroule comme un rite avec componction et sévérité. En général, parmi les bergers, les hommes ne se marient pas très jeunes. Dans ces régions montagneuses, le noyau essentiel de la société, la famille, fonctionne en effet comme une petite entreprise qui a besoin, pour bien produire, de tous ses membres. Ainsi, le berger reste longtemps, comme on dit, un fils de famille. Et c'est seulement quand il a économisé suffisamment pour assurer son indépendance qu'il peut finalement se marier. Ce sont en général les parents de l'époux qui choisissent sa future femme. Ce sont eux qui contrôlent la situation économique de leur fils et qui peuvent par conséquent décider, presque mieux que lui, le meilleur moment pour le mariage et quelle est la jeune fille dans le village qui peut le mieux lui convenir. Après la cérémonie religieuse, pour revenir à la maison, le cortège fait un long détour en traversant presque tout le village. Le cortège se dénoue avec une lenteur qui ne veut pas seulement être solennelle. Ici, chaque mariage est considéré comme un événement qui ne touche pas uniquement les familles qui y sont directement intéressées, mais le village tout entier. Ainsi, l'itinéraire a surtout pour but de permettre à tous les habitants de participer à la partie publique du rite, celle qui se déroule dans les rues.
le mariage, plus que toute autre cérémonie, reconstitue le sentiment de l'unité de la communauté des bergers qui paraît parfois ne plus exister. La chaleur de la rencontre et du salut varie selon le degré d'amitié et de familiarité, en s'exprimant par un rituel qui n'est pas l'expression d'un caprice personnel, mais qui est déterminé par la nature et la solidité du rapport social. Ainsi, au fur et à mesure que les époux se rapprochent de leur quartier, les arrêts près des maisons amies sont plus fréquents et les effusions plus vives. Les femmes qui s'approchent du cortège nuptial et qui jettent du blé sur la mariée en cassant un plat devant elles ne savent plus qu'elles accomplissent un antique rituel ayant une signification symbolique. En l'occurrence, un rite destiné à favoriser la fécondité. Le cortège arrive enfin à la maison de l'époux. Ici aussi, le premier rite est celui du pardon, qui cette fois est demandé aux parents du marié. Puis il y aura une autre réception à base de gâteaux traditionnels, de vin et de liqueurs, juste avant le banquet de mariage. De la Barbadia, le cadeau le plus fréquent est une somme d'argent. Cela remplace l'ancienne coutume de la communauté paysanne d'offrir des dons en nature, tels que moutons et agneaux, pour contribuer à former le capital initial nécessaire à la vie des nouvelles familles. C'est un peu le même principe se trouvant à la base de la ponidura, une antique coutume par laquelle la communauté remplace par une donation collective le troupeau qui a été détruit ou volé. La fête nuptiale, contrairement à ce qui se passe dans d'autres contrées, et même dans d'autres parties de la Sardaigne, a lieu dans la maison de l'époux. En effet, parmi les bergers, le mariage est la cérémonie par laquelle un nouveau membre, l'épouse, vient faire partie de la petite société compacte constituée par la famille du mari. Le banquet est le point culminant de la fête. Les grands plats de viande sont obligatoires. Dans la société des bergers, en effet, on ne mange pas souvent de la viande, parce que les moutons et les agneaux, dans ce genre d'économie, font partie du capital du berger qui préfère se nourrir des produits du troupeau, lait, fromage, yogourt. Mais dans une fête exceptionnelle comme un mariage, on mange surtout de la viande. Les dents
danse traditionnelle couronne dignement la fin de toutes les fêtes dans ce monde patriarcal. Quand le rythme de la musique résonne dans ces habitations modestes, l'attitude sérieuse des danseurs donne à la cérémonie un caractère sacré et fait ressortir de la nuit des temps la force antique de cette société archaïque. L'automne marque le commencement d'un nouveau cycle annuel. Bientôt arrivera le moment du départ et de la longue absence, même pour ceux qui se sont à peine mariés. Seuls les enfants et les femmes resteront dans ces villages, dans ces montagnes qui deviennent chaque jour de plus en plus mélancoliques sous les couleurs de l'automne.